Je ne vais pas essayer, je suis très embêté parce que je ne sais pas du tout comment étudier l'évolution si le temps n'existe plus. Ça fait partie des problèmes que pose la transdisciplinarité. C'était quand même bien plus tranquille quand on pouvait parler de temps entre nous. Je peux vous dire d'ailleurs que dans notre groupe, il y a eu des discussions extraordinaires. Je me souviens d'un jour où mon voisin essayait désespérément de démontrer à Marc qu'on ne pouvait pas mesurer le temps sans oscillation. Et ça a pris un moment, comme ça. Parce que c'est vrai que biologiquement, tous les systèmes biologiques qui mesurent le temps sont sûrement basés sur des oscillations. Mais tu aurais aimé que ça soit général. Et tout d'un coup, Marc a dit « et le sablier ». Et il avait gagné, là, quand même, il faut avouer, effectivement, que tout compte fait, il y a des manières de mesurer le temps qui ne sont pas oscillatoires. Mais en tout cas, donc, nous, biologistes, on est dans une situation très difficile vis-à-vis du temps. J'aurais à vous dire que la biologie s'est constituée sur l'étude donc des êtres vivants, et que la première chose qu'on voit quand on regarde les êtres vivants, c'est qu'ils ne sont pas tous pareils. Alors, ça se voit déjà dans une salle comme celle-ci, et encore heureux, on ne voit pas tout, parce que si on voyait toutes les bactéries qui se trimballent entre nous, ça serait terrifiant. Et hein, c'est vrai, je ne sais pas combien on en a déjà échangé entre nous depuis le début, là, mais... et elles ne sont pas toutes pareilles non plus, si vous les voyez, il y en a qui ont des poils partout. D'autres... Et... Donc, cette diversité du vivant est un élément complètement essentiel de l'étude des êtres vivants, de l'étude naturaliste, au départ. Et cette diversité a connu des interprétations très diverses. Évidemment, la première, celle qui nous est donnée par les Écritures, eh bien, c'est que les êtres vivants ont été créés, chacun selon son espèce. Et donc, dès la Genèse, dans notre culture, eh bien, nous sommes instruits sur le fait qu'il y a une diversité, que cette diversité est le fruit d'une création. Une création qui est située dans le temps et qui ne bouge plus après, en gros. La vision du monde que nous donne notre culture religieuse, non pas qu'on soit tous religieux, mais on a tous été baignés dans une culture qui incluait largement cette vision religieuse, eh bien, c'est une vision extraordinairement fixe du monde. Et c'est le premier point sur lequel je voudrais insister, ça sera un thème d'ailleurs pour tout ce que je veux vous raconter aujourd'hui. En fait, ça, que la biologie serait belle si le monde était fixe. Voilà, alors pour un évolutionniste, évidemment, vous vous doutez que c'est un problème. Alors, ces espèces qui sont des entités créées dès le départ et qui ne sont censées ne plus bouger, n'exagérons rien, elles bougent, elles ont bougé de tout temps, mais il faut bien comprendre, c'est difficile de comprendre l'histoire des sciences parce qu'on a tous l'impression qu'il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, nous savons tous à peu près, nous avons une idée de ce que c'est qu'une espèce. Et évidemment, nos prédécesseurs du XVIe siècle, par exemple, avaient aussi une idée très précise de ce qu'est une espèce, et probablement tous les primates ont une idée assez précise de ce que c'est qu'une espèce. On sait que nos cousins proches, les chimpanzés, sont capables de reconnaître ce qu'ils peuvent manger ou pas, ça d'ailleurs il n'y a pas que, mais même avec quoi ils peuvent se soigner quand ils sont malades, etc., etc. Donc bien sûr que l'idée qu'il existe des formes différentes et que ces formes peuvent être reconnues et n'ont pas les mêmes propriétés, au fond préexiste à l'apparition de la lignée des hominidés. Hein. J'espère que je ne te choque pas, Jean-Claude. Hein. Voilà, donc l'idée d'espèce, elle doit être extrêmement ancienne dans notre vision du monde. Ceci dit, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Eh bien, c'est un ensemble d'individus que je vais mettre ensemble parce qu'ils ont des caractéristiques communes et que je peux les reconnaître au départ. Ça ne donne aucune nécessité à une pérennité quelconque de l'espèce. Et jusqu'au XVIIe siècle, on admettait facilement qu'un individu puisse passer d'une espèce dans l'autre à travers une métamorphose. Donc, l'espèce est une catégorie fixe, mais les individus, eux, ils ne sont pas obligés d'être fixes puisqu'ils peuvent passer d'une espèce à l'autre. Vous voyez que ce n'est pas du tout la vision d'espèce qu'on a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Eh bien, il a fallu d'abord reconnaître effectivement la non-existence de la plupart des métamorphoses qui étaient proposées. Les hommes ne se transforment pas en loup, même les nuits de pleine lune. Alors, à l'époque, vous aviez des petites bestioles qui se transformaient en... des feuilles d'arbres qui se transformaient en oiseaux ou en poissons. Vous aviez la semence humaine qui pouvait donner naissance à des mandragores si elle tombait dans la terre, etc., etc. Toutes ces choses-là vont être rejetées au XVIIIe siècle, donc le siècle des Lumières,
On n'a pas seulement Newton, mais il y a aussi toute une série de gens qui vont réfléchir à ces questions-là et qui vont montrer d'abord, effectivement, le fait que, eh bien, on ne peut pas passer d'une espèce dans l'autre. Ceci, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de métamorphose. Les chenilles se métamorphosent en papillons. Et les têtards se métamorphosent en grenouilles. Ah, alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Eh bien, on va être obligé de dire que la chenille qui se métamorphose en papillon appartient à la même espèce que le papillon. Or, si c'est le cas, le malheur, c'est que la chenille et le papillon ne se ressemblent pas du tout. Donc, au XVIIIe siècle, quand on va séparer les espèces comme des entités fixes, on va être obligé d'admettre que l'espèce est une entité temporelle. C'est-à-dire que je ne peux pas reconnaître un papillon et une chenille comme ça, dire que c'est la même espèce comme ça, il faut que je me donne le temps de voir que le papillon donne ses chenilles dans sa descendance pour pouvoir dire que c'est la même espèce. Donc dès le XVIIIe siècle, l'espèce prend une dimension temporelle, elle ne peut plus être décrite comme un point, mais comme un tiret dans le temps, quel que soit ce temps. Donc fin des métamorphoses entre espèces au XVIIIe siècle, et je voudrais vous citer deux grands noms de cette époque-là. Alors d'abord, Linné, donc, qui est le grand classificateur, hein, celui qui va régner sur la classification, sur la production de ce qu'on appelait des systèmes permettant d'organiser la biodiversité. Donc il crée une nouvelle discipline qui s'appelle la systématique. Et cette systématique, eh bien, elle produit des systèmes qui permettent de classer les plantes, les animaux. À cette époque-là, il n'y avait rien d'autre. Et depuis, ça s'est développé largement. La systématique se développe encore aujourd'hui. Pour en reparler, si vous voulez, dans la discussion, puisqu'il s'agit de classer cet ensemble divers. Alors, sur quelle base est-ce que Linné va faire ça? Eh bien, Linné écrit dans un texte très très clair que toutes les espèces tiennent leur origine de la main même du Créateur Tout-Puissant, je le cite, hein, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, a doté ces créatures, donc oui, c'est les espèces qui sont créées, hein, et il a doté ces créatures d'une loi éternelle de reproduction et de multiplication. Fin de la citation. Vous voyez donc que le monde sur lequel se construit la systématique, la classification des êtres vivants, est un monde parfaitement stable. Certes, le temps s'écoule, mais il s'écoule sur un monde qui ne bouge pas. Et cette nature stable, eh bien, je pense qu'elle reste encore très présente dans notre imaginaire. Combien souvent j'entends dire que la stabilité des écosystèmes, que la stabilité de la biodiversité, que la stabilité de la planète sont des choses qu'il faut absolument préserver. Donc cette idée qu'on a un monde stable est une idée forte qui va vraiment s'établir au XVIIIe siècle, avec comme exemple Linné, donc qui était suédois, mais qui a connu un succès international. Alors Buffon, lui, d'abord s'intéressait beaucoup au temps, puisqu'il a essayer de mesurer expérimentalement l'âge de la Terre par diverses méthodes. Vous savez, Buffon, c'était un homme de cette époque-là, un savant universel, comme on pourrait presque dire aujourd'hui. Il faisait des maths, hein, il a vu comment on pouvait calculer le nombre pi en jetant des aiguilles sur un plancher, en regardant les nombres de contacts entre les aiguilles et les bords des lames de plancher. Il a étudié donc l'âge de la Terre, et il a étudié son histoire naturelle, et a été une œuvre extrêmement célèbre. Et Buffon, lui, alors au contraire, n'aime pas la classification de Linné parce qu'elle n'est pas naturelle, c'est-à-dire qu'elle est plaquée de façon pratique, et Linné l'admettait, et qu'elle ne reflète pas un ordre interne. Ça va être le débat de la suite de la systématique. Hein. Peut-on classer les êtres vivants de façon arbitraire, ou doit-on trouver un ordre interne et le découvrir? C'est cette dernière option qui a gagné, je vous le dis tout de suite. Donc, Buffon, lui, s'intéresse au temps, est convaincu que la Terre est beaucoup plus vieille que ce qu'on raconte dans les Écritures, il le publie, est condamné par la Sorbonne et se rétracte. Avec cette phrase, « Je préfère être couché que pendu », donc ce qui, je ne pense pas qu'il risquait vraiment la pendaison, mais il avait une position de pouvoir au muséum, et les gens qui ont une position de pouvoir au muséum ne s'exposent jamais à de trop grands dangers. Voilà, donc... Mais Buffon était aussi un homme très intéressant, parce que c'était pas seulement un naturaliste, c'était aussi un industriel. Il possédait des forges à Montbard, dans sa ville d'origine, et forge était une des rares activités rémunérées que la noblesse avait le droit d'exercer à l'époque. Et Buffon, donc, en tant qu'industriel, a une vision
du temps qui implique aussi, et de l'action de l'homme, qui implique l'idée très très claire d'un progrès. Alors c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais je pense que discuter du temps et du vivant, c'est aussi discuter de la question du progrès. Et je voudrais y venir maintenant. Donc, pour Buffon, la nature sauvage, je reprends ces mots, la nature sauvage est hideuse et mourante. C'est l'homme, et lui seul, qui peut la rendre agréable et vivante. Et donc il pense que quand il y a des vieilles forêts pourries, ben, il faut les brûler. Une fois qu'on, voilà, qu'il faut exploiter la nature et la rendre agréable et vivante. Voilà. Donc, Buffon, cette vision du temps, effectivement plus long, donc nettement que ses prédécesseurs, mais aussi une vision progressiste du monde. Et je ne peux pas... allez, moi aussi, pris par le temps, je vais être obligé d'abréger très, très considérablement mon discours, mais je voudrais vous dire que à la fin, au tournant du 18e, 19e siècle, eh bien, le temps va faire une irruption très violente dans la biologie, avec deux grandes découvertes. La découverte de Cuvier, qui est le fait que les espèces se sont éteintes dans le passé, et qu'il y a eu des extinctions massives. Lui, il croit même que toutes les espèces s'éteignent à chaque fois. Et, contemporain de Cuvier, Lamarck, qui lui propose l'idée que les espèces se transforment. Alors c'était deux profs du muséum, encore une fois, ils se détestaient, ce qui arrive, et c'est bien malheureux parce que quand on déteste un collègue, on a beaucoup de mal à entendre ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte, c'est quasiment impossible, et le résultat c'est que Buffon, Cuvier n'a jamais pu admettre l'idée que les espèces se transforment, et que Lamarck n'a jamais pu admettre l'idée que les espèces s'éteignent, et le muséum s'est enfoncé dans des querelles un peu stériles à partir de ce moment-là, ce qui a... laisser la place aux Anglais pour continuer, en fait. Hein. Alors, les deux personnages donc, du 19e siècle que je voudrais vous citer, bien sûr, sont anglais. Il s'agit de Lyell, géologue, qui propose une vision où la Terre est encore plus ancienne alors que celle de Buffon, même plus ancienne que la nôtre aujourd'hui. Et donc, avec cette idée que vous connaissez tous, que les phénomènes géologiques sont des phénomènes qui se passent sur le long terme, que il n'y a pas de grand surgissement de montagnes, mais des sommes de tremblements de terre qui progressivement fabriquent une montagne. C'est le principe du continuisme, donc, ou de l'actualisme. Donc, ce qui s'est passé pour constituer l'allure de la Terre, c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Mais il a fallu de longues durées et des actions répétées. Une rivière qui progressivement creuse son lit, et on arrive à la fin au canyon, au Grand Canyon du Colorado. Donc, vous avez effectivement d'énormes effets qui sont la somme d'une énorme quantité de petits effets. Voilà la vision de Lyell, résumée très violemment. Et c'est là-dessus, bien sûr, que Darwin va repartir pour proposer sa théorie de la transformation des espèces, lui aussi, qui s'appellera ensuite théorie de l'évolution. Et Darwin, donc, propose l'idée que la sélection naturelle, progressivement, au cours de temps très long, va pouvoir constamment trier dans la variation existante eh bien, les formes les plus adaptées, et donc éliminer celles qui le sont moins, adaptées à quoi ? Ben, à l'environnement physique, mais aussi à l'environnement biotique, c'est-à-dire les autres formes vivantes, y compris les autres individus de la même espèce, en particulier d'ailleurs ceux de l'autre sexe, auxquels il faut bien s'adapter, ce qui n'est jamais facile, comme nous le savons tous. Donc Darwin va proposer cette théorie de la sélection naturelle qui permet d'expliquer, sur des temps très longs, comment se sont produits les êtres vivants. À l'époque, sur cette question du temps, Darwin sera attaqué par un physicien tout à fait renommé, Lord Kelvin, le deuxième plus grand physicien écossais de l'époque, je pense qu'on peut dire comme ça, on va mettre Maxwell devant quand même, et Kelvin qui va dire qu'il a calculé l'âge du système solaire et qui est arrivé à des chiffres extrêmement faibles et qui parle du coup de l'extrême futilité des théories de M. Darwin. Ça, c'est la relation habituelle entre les physiciens et les biologistes, hein, quand ils ne sont pas d'accord... Les physiciens considèrent que ça veut dire nécessairement que les biologistes n'ont rien compris, mais on a au CEV des physiciens beaucoup plus ouverts que ça, et on peut discuter avec eux. Et donc, Darwin, donc, il va être attaqué sur le problème du temps, et qui ne saura d'ailleurs pas répondre, qui va se réfugier derrière la réponse des géologues. Mais donc, cette vision darwinienne du monde va être la base de la biologie actuelle, théoriquement. Pourquoi je dis théoriquement ? Je dis au sens classique, enfin au sens populaire du terme, pas au sens scientifique, parce que en réalité,
Le malheur, c'est que les biologistes ont un mal fou à se détacher de la vision fixiste du monde vivant. Donc nous sommes tous convaincus que la théorie de l'évolution est exacte, qu'il y a bien sûr encore des choses à améliorer dans notre compréhension de l'évolution, mais tout le monde est d'accord sur l'idée que les formes vivantes évoluent. Mais quand il s'agit justement de parler de la stabilité des écosystèmes, de parler de biodiversité, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, on entend quand même d'abord que la biodiversité, c'est la diversité des espèces, comme si le monde avait été créé, et comme s'il s'agissait de le conserver dans l'état où il a été créé. Cette vision fixiste du monde est incroyablement solide dans nos visions du monde. La vision que Darwin propose, hein, c'est une vision, donc je n'ai pas voulu compliquer les choses en projetant des choses aujourd'hui, mais l'image que Darwin nous donne du monde vivant, c'est une image dans laquelle des formes vivantes sont constamment en train de se différencier en nouvelles formes. La plupart de ces formes s'éteignent, mais certaines survivent et divergent. Et cette divergence provoque l'apparition de la biodiversité. Cette divergence est progressive. Elle coûte d'ailleurs de très nombreuses extinctions dans le système. Les extinctions font partie du processus de la biodiversité. Et ces extinctions sont compensées largement par la divergence des formes qui restent. La biodiversité, dans la vision darwinienne, n'est pas stable. Elle n'est pas stable au sens de la stabilité d'une statue. Une statue, c'est stable, c'est, si vous la poussez un petit peu, normalement, elle revient à sa place. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Bon. Mais, évidemment, si vous la poussez trop, elle tombe. Hein, et les gens qui ont peur pour la biodiversité ont cette vision-là d'une statue qu'il ne faudrait pas trop pousser, sinon elle va tomber. Or, la biodiversité n'est pas du tout une statue. La biodiversité, si on a compris Darwin, si on avait compris Darwin, ça serait non pas une statue, mais une bicyclette. Une bicyclette, c'est stable aussi, mais ce n'est pas en l'arrêtant que vous lui permettez de tenir. Au contraire, il faut la laisser bouger, si vous voulez qu'elle se maintienne. Or, donc là, on a un équilibre dynamique, un équilibre qui se maintient dans le temps, mais non pas en tant qu'état, mais en tant que dynamique. La biodiversité telle que Darwin nous la présente, eh bien, c'est ça. Bien sûr, ce temps, je vous l'ai dit, Buffon l'introduit, oui, effectivement, dans la pensée naturaliste de l'époque. Buffon, avec cette vision du progrès, sur la question du progrès, Darwin, comme nous aujourd'hui, n'est pas particulièrement clair. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un progrès dans l'évolution? Évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun progrès. Je veux dire qu'on a inventé l'œil, l'aile. Les êtres vivants ont inventé plein de trucs qui ont l'air géniaux quand même. Et en même temps, il est bien difficile de dire où est le bon, où est le mal. Comment est-ce que je définis un progrès? Il faudrait que je sache qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien. Est-ce qu'il existe une notion de bien dans l'absolu ou de pas bien sur le plan biologique? Évidemment, je ne peux pas. Et donc, Darwin va buter. Souvent, il dit, attention, non, mais il n'y a pas de progrès, c'est juste le meilleur localement, c'est le meilleur là, mais ailleurs, il ne serait peut-être pas le meilleur. Et puis à d'autres moments, il dit quand même que globalement, c'est les formes les mieux qui sont conservées, et on peut trouver des éléments dans un sens ou dans l'autre dans ses écrits. Aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver des éléments dans un sens ou dans l'autre dans le discours de quasiment tous les biologistes qui parlent de ces questions. Je pense qu'il est... Bon, Gould a essayé de dire qu'il n'y avait pas de progrès. Il y en a quelques-uns qui se sont vraiment battus sur ce plan-là, mais on ne peut pas dire que qui que ce soit particulièrement clair sur ce point. Or, cette idée de progrès, je pense qu'elle est importante parce que... Eh bien parce que si je veux maintenir la biodiversité, d'abord j'espère que vous avez compris que ce qu'il faut maintenir c'est une dynamique, et donc c'est pas en mettant les trucs au frigo qu'on peut le faire. Aujourd'hui, nous sommes convaincus d'être les apôtres du progrès, depuis les Lumières, ça c'est un truc qu'on n'a pas abandonné. Le progrès reste le progrès avec un grand P, reste une sorte d'impératif absolu que se donnent les scientifiques qui sont là pour promouvoir le progrès. On sait qu'au cours du XXe siècle, il y a un certain nombre de choses qui ont montré que les scientifiques n'apportaient pas toujours que ce qu'on appelle couramment le progrès. Du fait que les scientifiques ont lancé une démarche qui s'appelle l'eugénisme, qui a consisté à stériliser des dizaines de milliers de personnes dans le monde occidental au début du XXe siècle à la bombe atomique, il y a un certain nombre de choses dont on peut dire que ça n'a pas été vraiment des progrès. Mais n'empêche que, hein, tout ça, on a tendance à dire, ça c'est des accidents de l'histoire, mais globalement quand même il y a un progrès, et la science est le moteur de ce progrès. Je voudrais vous dire que, donc cette vision du temps telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est une vision du temps
un peu à la Buffon, donc où on va, où l'homme va régenter la nature et où il va apporter ses progrès. Je pense qu'il faut se méfier de cette vision-là. Je pense que toute action de l'homme n'est pas nécessairement un progrès, et tout progrès technique n'est pas nécessairement un progrès pour l'humanité. Et je voudrais boucler un petit peu ce que je vous dis pour finir, en vous disant qu'un des progrès actuels de l'agriculture, eh bien, c'est de faire une agriculture très productive, qui permette peut-être de nourrir beaucoup de monde, mais qui est en train, comme on le sait, de puiser dans les ressources environnementales sans les remplacer. Et la biodiversité est une ressource renouvelable si on s'en occupe. Et c'est une ressource non renouvelable si jamais on tire trop dessus. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on tire dessus de façon absolument déraisonnable. L'exemple que j'aime prendre, et c'est ça qui me permet de boucler, c'est l'exemple de la diversité des plantes cultivées. Les plantes cultivées ont vu leur diversité augmenter extraordinairement grâce à l'action des paysans qui, ressemant leurs semences à chaque génération, ont créé une diversité de semences absolument faramineuses. Mais depuis un siècle à peu près, eh bien nous puisons dans cette diversité sans la réalimenter pour fabriquer ce qu'on appelle l'amélioration des plantes, pour fabriquer des variétés améliorées, comme on le dit. Et on constate qu'aujourd'hui, eh bien, à force de puiser dans cette variabilité, on n'en a plus laissé grand-chose, que la diversité des plantes cultivées est en chute libre. Tout le monde en est conscient, y compris les plus grands groupes financiers, qui ont dit qu'il fallait sûrement faire quelque chose, et la fondation Bill Gates s'associe avec Monsanto et quelques autres, a décidé de sauver la biodiversité des plantes cultivées, rassurez-vous. Ils ont donc lancé l'initiative d'un immense frigo souterrain en Norvège, dans une île qui s'appelle Svalbard. Ce frigo va accueillir toutes les semences du monde, et les plantes cultivées seront sauvées, rassurez-vous. Bien sûr, j'espère que vous comprenez que mettre la biodiversité au frigo, hein, c'est comme d'arrêter le vélo pour qu'il tienne mieux debout. Hein. Ce n'est pas une bonne solution. Nous avons là une démarche extraordinaire puisqu'elle repose sur une science totalement dépassée du XVIIIe siècle, mais qu'elle met en œuvre des technologies extraordinaires, puisque non seulement la fabrication de ce frigo, c'est un beau travail, mais en plus, on sait bien que les graines vont mourir dans le frigo en question. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des graines dans un frigo si elles sont mortes? Mais oui, ça sert. À qui? Eh bien, aux entreprises qui savent aller chercher l'ADN dedans si un jour il y en a besoin. Qui sont justement celles qui ont financé le point de départ de ce frigo. Donc, vous voyez, tout va bien. L'idée, hein, est donc de mettre la biodiversité dans un frigo et de croire que nos technologies nous permettront d'aller la récupérer sous forme de graines mortes un jour ou l'autre. Je pense qu'effectivement, donc, la vision du temps et de la façon dont la biologie évolue dans le temps est quelque chose qui serait urgent de mieux enseigner, de mieux comprendre, si on veut éviter ces abominations qui sont en train de se produire. Merci. Alors Buffon, lui, d'abord s'intéressait beaucoup au temps, puisqu'il a essayé de mesurer expérimentalement l'âge de la Terre par diverses méthodes. Vous savez, Buffon, c'était un homme de cette époque-là, un savant universel, comme on pourrait presque dire aujourd'hui. Il faisait des maths, hein, il a calculé. Il a vu comment on pouvait calculer le nombre pi en jetant des aiguilles sur un plancher, en regardant les nombres de contacts entre les aiguilles et les bords des lames de plancher. Il a étudié donc l'âge de la Terre, et il a étudié son histoire naturelle, et a été une œuvre extrêmement célèbre. Et Buffon, lui, alors au contraire, n'aime pas la classification de Linné parce qu'elle n'est pas naturelle. C'est-à-dire qu'elle est plaquée de façon pratique, et Linné l'admettait, et qu'elle ne reflète pas un ordre interne. Ça va être le débat de la suite de la systématique. Peut-on classer les êtres vivants de façon arbitraire, ou doit-on trouver un ordre interne et le découvrir? C'est cette dernière option qui a gagné, je vous le dis tout de suite. Donc, Buffon, lui, s'intéresse au temps, est convaincu que la Terre est beaucoup plus vieille que ce qu'on raconte dans les Écritures. Il le publie, est condamné par la Sorbonne et se rétracte. Avec cette phrase, « Je préfère être couché que pendu ». Donc ce qui, je ne pense pas qu'il risquait vraiment la pendaison, mais il avait une position de pouvoir au muséum, et les gens qui ont une position de pouvoir au muséum ne s'exposent jamais à de trop grands dangers. Voilà, donc, mais Buffon était aussi un homme très intéressant, parce que ce n'était pas seulement un naturaliste, c'était aussi un industriel. Il possédait des forges à Montbard, dans sa ville d'origine, et forge était une des rares activité rémunérée que la noblesse avait le droit d'exercer à l'époque. Et Buffon, donc, en tant qu'industriel, a une vision du temps qui implique aussi, et de l'action de l'homme,
qui implique l'idée très très claire d'un progrès. Alors c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais je pense que discuter du temps et du vivant, c'est aussi discuter de la question du progrès. Et je voudrais y venir maintenant. Donc, pour Buffon, la nature sauvage, je reprends ces mots, la nature sauvage est hideuse et mourante. C'est l'homme, et lui seul, qui peut la rendre agréable et vivante. Et donc, il pense que quand il y a des vieilles forêts pourries, ben, il faut les brûler. Une fois qu'on, voilà, qu'il faut exploiter la nature et la rendre agréable et vivante. Voilà. Donc, Buffon, cette vision du temps, effectivement plus long, donc nettement que ses prédécesseurs, mais aussi une vision progressiste du monde. Et je ne peux pas... allez, moi aussi, pris par le temps, je vais être obligé d'abréger très, très considérablement mon discours, mais je voudrais vous dire que à la fin, au tournant du 18e-19e siècle, eh bien, le temps va faire une irruption très violente dans la biologie, avec deux grandes découvertes. La découverte de Cuvier, qui est le fait que les espèces se sont éteintes dans le passé, et qu'il y a eu des extinctions massives. Lui, il croit même que toutes les espèces s'éteignent à chaque fois. Et, contemporain de Cuvier, Lamarck, qui lui propose l'idée que les espèces se transforment. Alors, c'était deux profs du muséum, encore une fois. Ils se détestaient, ce qui arrive. Et c'est bien malheureux, parce que quand on déteste un collègue, on a beaucoup de mal à entendre ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte. C'est quasiment impossible. Et le résultat, c'est que Buffon, Cuvier n'a jamais pu admettre l'idée que les espèces se transforment et que Lamarck n'a jamais pu admettre l'idée que les espèces s'éteignent. Et le muséum s'est enfoncé dans des querelles un peu stériles à partir de ce moment-là, ce qui a laissé la place aux Anglais pour continuer, en fait. Hein. Alors, les deux personnages donc, du 19e siècle que je voudrais vous citer, bien sûr, sont anglais. Il s'agit de Lyell, géologue, qui propose une vision où la Terre est encore plus ancienne alors que celle de Buffon, même plus ancienne que la nôtre aujourd'hui. Et donc avec cette idée que vous connaissez tous, que les phénomènes géologiques sont des phénomènes qui se passent sur le long terme, qu'il n'y a pas de grands surgissements de montagnes, mais des sommes de tremblements de terre qui progressivement fabriquent une montagne. C'est le principe du continuisme donc, ou de l'actualisme. Donc ce qui s'est passé pour constituer l'allure de la Terre, c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Mais il a fallu de longues durées et des actions répétées, une rivière qui progressivement creuse son lit, et on arrive à la fin au canyon, au Grand Canyon du Colorado, donc vous avez effectivement d'énormes effets qui sont la somme d'une énorme quantité de petits effets. Voilà la vision de Lyell, résumée très violemment, et c'est dessus, là-dessus bien sûr que Darwin va repartir pour proposer sa théorie de la transformation des espèces, lui aussi, qui s'appellera ensuite théorie de l'évolution. Et Darwin donc propose l'idée que la sélection naturelle, progressivement, au cours de temps très long, va pouvoir constamment trier dans la variation existante eh bien, les formes les plus adaptées et donc éliminer celles qui le sont moins. Adaptées à quoi ? Ben, à l'environnement physique, mais aussi à l'environnement biotique, c'est-à-dire les autres formes vivantes, y compris les autres individus de la même espèce, en particulier d'ailleurs ceux de l'autre sexe, auquel il faut bien s'adapter, ce qui n'est jamais facile, comme nous le savons tous. Donc Darwin va proposer cette théorie de la sélection naturelle qui permet d'expliquer, sur des temps très longs, comment se sont produits les êtres vivants. À l'époque, sur cette question du temps, Darwin sera attaqué par un physicien tout à fait renommé, Lord Kelvin, le deuxième plus grand physicien écossais de l'époque, je pense qu'on peut dire comme ça, on va mettre Maxwell devant quand même, et... Kelvin qui va dire qu'il a calculé l'âge du système solaire et qui est arrivé à des chiffres extrêmement faibles et qui parle du coup de l'extrême futilité des théories de M. Darwin. Ça, c'est la relation habituelle entre les physiciens et les biologistes. Hein, quand ils ne sont pas d'accord, les physiciens considèrent que ça veut dire nécessairement que les biologistes n'ont rien compris, mais on a au CEV des physiciens beaucoup plus ouverts que ça et on peut discuter avec eux. Et donc... Darwin, donc, il va être attaqué sur le problème du temps, et qui ne saura d'ailleurs pas répondre, qui va se réfugier derrière la réponse des géologues. Mais donc, cette vision darwinienne du monde va être la base de la biologie actuelle, théoriquement. Alors pourquoi je dis théoriquement ? Je dis au sens classique, enfin, au sens populaire du terme, pas au sens scientifique, parce que, en réalité, le malheur, c'est que les biologistes ont un mal fou à se détacher de la vision fixiste du monde vivant. Donc nous sommes tous convaincus que la théorie de l'évolution
est exacte, qu'il y a bien sûr encore des choses à améliorer dans notre compréhension de l'évolution, mais tout le monde est d'accord sur l'idée que les formes vivantes évoluent. Mais quand il s'agit justement de parler de la stabilité des écosystèmes, de parler de biodiversité, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, on entend quand même d'abord que la biodiversité, c'est la diversité des espèces, comme si le monde avait été créé, et comme s'il s'agissait de le conserver dans l'état où il a été créé. Cette vision fixiste du monde est incroyablement solide dans nos visions du monde. La vision que Darwin propose, c'est une vision, donc je n'ai pas voulu compliquer les choses en projetant des choses aujourd'hui, mais l'image que Darwin nous donne du monde vivant, c'est une image dans laquelle des formes vivantes sont constamment en train de se différencier en nouvelles formes. La plupart de ces formes s'éteignent, mais certaines survivent et divergent. Et cette divergence provoque l'apparition de la biodiversité. Cette divergence est progressive. Elle coûte d'ailleurs de très nombreuses extinctions dans le système. Les extinctions font partie du processus de la biodiversité. Et ces extinctions sont compensées largement par la divergence des formes qui restent. La biodiversité, dans la vision darwinienne, n'est pas stable. Elle n'est pas stable au sens de la stabilité d'une statue. Une statue, c'est stable, c'est, si vous la poussez un petit peu, normalement, elle revient à sa place. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Bon. Mais, évidemment, si vous la poussez trop, elle tombe. Hein, et les gens qui ont peur pour la biodiversité ont cette vision-là d'une statue qu'il ne faudrait pas trop pousser, sinon elle va tomber. Or, la biodiversité n'est pas du tout une statue. La biodiversité, si on a compris Darwin, si on avait compris Darwin, ça serait non pas une statue, mais une bicyclette. Une bicyclette, c'est stable aussi, mais ce n'est pas en l'arrêtant que vous lui permettez de tenir. Au contraire, il faut la laisser bouger si vous voulez qu'elle se maintienne. Or, donc là, on a un équilibre dynamique, un équilibre qui se maintient dans le temps, mais non pas en tant qu'état, mais en tant que dynamique. La biodiversité telle que Darwin nous la présente, eh bien, c'est ça. Bien sûr, ce temps, je vous l'ai dit, Buffon l'introduit, oui, effectivement, dans la pensée naturaliste de l'époque. Buffon, avec cette vision du progrès, sur la question du progrès, Darwin, comme nous aujourd'hui, n'est pas particulièrement clair. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un progrès dans l'évolution? Évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun progrès. Je veux dire qu'on a inventé l'œil, l'aile, les êtres vivants ont inventé plein de trucs qui ont l'air géniaux quand même. Et en même temps, il est bien difficile de dire où est le bon, où est le mal. Comment est-ce que je définis un progrès? Il faudrait que je sache qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien. Est-ce qu'il existe une notion de bien dans l'absolu ou de pas bien sur le plan biologique? Évidemment, je ne peux pas. Et donc, Darwin va buter, souvent il dit, attention, non, mais il n'y a pas de progrès, c'est juste le meilleur localement, c'est le meilleur là, mais ailleurs il ne serait peut-être pas le meilleur. Et puis à d'autres moments, il dit quand même que globalement, c'est les formes les mieux qui sont conservées, et on peut trouver des éléments dans un sens ou dans l'autre dans ses écrits. Aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver des éléments dans un sens ou dans l'autre dans le discours de quasiment tous les biologistes qui parlent de ces questions. Je pense qu'il est... Bon, Gould a essayé de dire qu'il n'y avait pas de progrès. Il y en a quelques-uns qui se sont vraiment battus sur ce plan-là, mais on ne peut pas dire que qui que ce soit particulièrement clair sur ce point. Or, cette idée de progrès, je pense qu'elle est importante parce que, si je veux maintenir la biodiversité, d'abord, j'espère que vous avez compris que ce qu'il faut maintenir, c'est une dynamique, et donc, ce n'est pas en mettant les trucs au frigo qu'on peut le faire. Aujourd'hui, nous sommes convaincus d'être les apôtres du progrès, depuis les Lumières, ça, c'est un truc qu'on n'a pas abandonné. Le progrès reste... Le progrès, avec un grand P, reste une sorte d'impératif absolu que se donnent les scientifiques qui sont là pour promouvoir le progrès. On sait qu'au cours du XXe siècle, il y a un certain nombre de choses qui ont montré que les scientifiques n'apportaient pas toujours que ce qu'on appelle couramment le progrès. Du fait que les scientifiques ont lancé une démarche qui s'appelle l'eugénisme, qui a consisté à stériliser des dizaines de milliers de personnes dans le monde occidental au début du XXe siècle, à la bombe atomique, il y a un certain nombre de choses dont on peut dire que ça n'a pas été vraiment des progrès. Mais n'empêche que, hein, tout ça, il y a tendance à dire, ça c'est des accidents de l'histoire, mais globalement quand même il y a un progrès, et la science est le moteur de ce progrès. Je voudrais vous dire que donc cette vision du temps telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est une vision du temps un peu à la Buffon, donc où l'homme va régenter la nature et où il va apporter ses progrès. Je pense qu'il faut
se méfier de cette vision-là. Je pense que toute action de l'homme n'est pas nécessairement un progrès, et tout progrès technique n'est pas nécessairement un progrès pour l'humanité. Et je voudrais boucler un petit peu ce que je vous dis pour finir, en vous disant qu'un des progrès actuels de l'agriculture, eh bien, c'est de faire une agriculture très productive, qui permette peut-être de nourrir beaucoup de monde, mais qui est en train, comme on le sait, de puiser dans les ressources environnementales sans les remplacer. La biodiversité est une ressource renouvelable si on s'en occupe. Et c'est une ressource non renouvelable si jamais on tire trop dessus. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on tire dessus de façon absolument déraisonnable. L'exemple que j'aime prendre, et c'est ça qui me permet de boucler, c'est l'exemple de la diversité des plantes cultivées. Les plantes cultivées ont vu leur diversité augmenter extraordinairement grâce à l'action des paysans qui, ressemant leurs semences à chaque génération, ont créé une diversité de semences absolument faramineuse. Mais depuis un siècle à peu près, eh bien, nous puisons dans cette diversité sans la réalimenter pour fabriquer ce qu'on appelle l'amélioration des plantes, pour fabriquer des variétés améliorées, comme on le dit. Et on constate qu'aujourd'hui, eh bien, à force de puiser dans cette variabilité, on n'en a plus laissé grand-chose, que la diversité des plantes cultivées est en chute libre. Tout le monde en est conscient, y compris les plus grands groupes financiers, qui ont dit qu'il fallait sûrement faire quelque chose, et la fondation Bill Gates s'associe avec Monsanto et quelques autres, a décidé de sauver la biodiversité des plantes cultivées, rassurez-vous. Ils ont donc lancé l'initiative d'un immense frigo souterrain en Norvège, dans une île qui s'appelle Svalbard. Ce frigo va accueillir toutes les semences du monde, et les plantes cultivées seront sauvées, rassurez-vous. Bien sûr, j'espère que vous comprenez que mettre la biodiversité au frigo, hein, c'est comme d'arrêter le vélo pour qu'il tienne mieux debout. Hein. Ce n'est pas une bonne solution. Nous avons là une démarche extraordinaire, puisqu'elle repose sur une science totalement dépassée du XVIIIe siècle, mais qu'elle met en œuvre des technologies extraordinaires, puisque non seulement la fabrication de ce frigo, c'est un beau travail, mais en plus, on sait bien que les graines vont mourir dans le frigo en question. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des graines dans un frigo si elles sont mortes? Mais oui, ça sert. À qui? Eh bien, aux entreprises qui savent aller chercher l'ADN dedans si un jour il y en a besoin. Qui sont justement celles qui ont financé le point de départ de ce frigo. Donc, vous voyez, tout va bien. L'idée, hein, est donc de mettre la biodiversité dans un frigo et de croire que nos technologies nous permettront d'aller la récupérer sous forme de graines mortes un jour ou l'autre. Je pense qu'effectivement, donc, la vision du temps et de la façon dont la biologie évolue dans le temps est quelque chose qui serait urgent de mieux enseigner, de mieux comprendre, si on veut éviter ces abominations qui sont en train de se produire. Merci.